cars hid under snow. Hello, c'est Marianne et bienvenue dans ce premier vlog de Noël. Je suis trop contente. Voilà, j'avais prévu de reprendre un petit peu les vlogs pour cette période, même si ça va être un peu particulier puisque, bah, comme vous le savez, en ce moment on est confiné, que tout se décoince a priori le 15 décembre, donc ça va être un peu différent comme format que les vlogs de Noël qu'on a l'habitude de voir sur YouTube en général. Je les commence un tout petit peu plus tôt, là nous sommes le 29 novembre, nous sommes donc un dimanche, et j'ai vu, alors déjà première chose, j'ai vu plein de gens faire les décorations de Noël, et moi j'attendais vraiment de commencer mes week mass du coup, pour pouvoir commencer à installer mes décorations de Noël. Comme en ce moment j'ai plusieurs choses à gérer, j'ai ma boutique, j'ai mon compte YouTube, et aussi j'ai mon travail en intermittence en ce moment, j'ai un projet de graphisme qui me prend toutes mes semaines en plus de tout le reste, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça en journée, et du coup je me suis dit que c'était plus pratique de faire ça un dimanche. Et comme là nous sommes un dimanche soir, du coup on va pouvoir aller récupérer les petites décos de Noël qui nous attendent en bas dans notre garage et installer tout ça, donc on va aller les chercher tout de suite. T'es deg de pas pouvoir jouer? Bah oui. Tu joueras après. Il faut aller chercher les décos de Noël. C'est important. Mais vous êtes sorti? Vous venez de l'extérieur là avec votre voiture là? Non, je... Et l'attestation elle est où? On est. Bon, tout va bien, on est remonté, Pierre-Alain est en train de jouer à Smash et du coup donc on a remonté toutes les petites décos. Alors voilà, Noël c'est quelque chose, hein, donc moi je me donne à fond à la déco parce que j'aime bien ça. Et puis bah du coup on va installer tout ça. Merci. Have yourself a merry little Christmas. Alors pour vous expliquer un petit peu pour le sapin, en fait on s'était, enfin je m'étais surtout posé la question parce que c'est vrai que c'est plus moi qui m'occupe de la partie déco dans l'appartement, et encore plus pour la partie déco de Noël, et du coup on s'était posé la question de est-ce qu'on prend un sapin, un vrai sapin, comme on avait fait l'année précédente, mais c'est vrai qu'on s'est encore plus endurci je dirais dans ce côté écologique, et je savais qu'il y avait possibilité de louer un sapin pour les fêtes et ensuite de faire en sorte à ce qu'il soit replanté une fois les fêtes passées, et du coup je m'étais un petit peu renseignée sur comment ça fonctionnait, parce que voilà, ça me semblait être une solution plus écolo que acheter un sapin à Jardiland ou à Truffaut. Enfin, voilà, ça me semblait être une meilleure idée si on voulait vraiment un vrai sapin dans la maison, sauf que quelqu'un m'en avait déjà parlé et il y avait cette histoire de des fois le sapin bah, il survit pas au fait de passer dans un intérieur chauffé, et du coup le fait de retourner, d'être replanté dans la nature, il reprenait pas, et bah du coup le sapin mourait. Et bah du coup c'est pas le but clairement, après c'est toujours mieux ça que juste qu'il soit coupé, qu'il finisse dehors sur le trottoir et qu'il soit ramassé par les encombrants, mais voilà, ça me paraissait quand même mieux, donc j'ai un petit peu plus approfondi cette recherche pour savoir ce que devenait le sapin si jamais il arrivait pas à reprendre en terre après avoir fait un séjour chez quelqu'un. Et du coup je suis tombée sur deux sites que je vous mets dans la description. Le premier sur lequel je suis tombée c'était Trismas, donc il y a une taille de disponible pour toute la France. Si jamais il n'arrive pas à reprendre son cycle après le séjour chez quelqu'un pour les fêtes, il est réduit en copeaux de bois pour des parterres fleuris. Et je suis tombée sur un autre site qui s'appelle ecosapin.fr. Là ils ont trois tailles différentes, et si jamais il reprend pas son cycle, il le transforme en biogaz. Voilà, donc je trouve que c'est quand même une alternative si jamais vous avez vraiment envie d'avoir un sapin chez vous. Je pense que c'est une bonne alternative. Le fait d'acheter un sapin en plastique, alors ça doit dépendre de sa taille aussi, mais pour qu'un sapin en plastique soit rentable, il faudrait le garder au minimum 7 ans, je crois que c'est ça, hein. Ou 12 ans, ça se trouve, voilà, je vous donne une demi-information, je suis désolée, mais voilà, il faut garder vraiment un sapin, si vous prenez un sapin en plastique, il faut le garder vraiment très longtemps pour que ce soit rentable niveau écologique, que si vous preniez chaque année un sapin qui serait coupé pour le mettre du coup chez vous juste le temps des fêtes. Après, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui doivent revendre leur sapin en plastique
sur Le Bon Coin ou voilà, sur des sites d'occasion, donc n'hésitez pas à regarder aussi de ce côté-là. Donc voilà, le mieux c'est de vous renseigner et lire des trucs sur le sujet. Nous, c'est vrai que du coup on avait déjà ce sapin en plastique qu'on avait acheté il y a quelques années, qu'on a gardé. Il n'est pas très grand, vous voyez. Après, on n'a pas non plus une maison qui est immense. Alors c'est sûr, c'est toujours agréable, le sapin qu'on avait l'année dernière, il était vraiment splendide et ça sentait bon et c'était hyper agréable. Mais quitte à voilà, pousser dans ce côté écologique de la chose, ça, on s'est dit que le plus écologique c'était de ne rien acheter du tout, et du coup c'est ce qu'on a fait, et on a réutilisé notre petit sapin qui est là, qui est très mignon, moi je le trouve très chou comme ça. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais au moins vous savez que si ça se trouve vous connaissiez pas, le fait de louer un sapin pour les fêtes ça existe et c'est peut-être une meilleure alternative. Voilà, maintenant je vais m'attaquer au petit rideau et on va continuer les décorations de Noël. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Ça y est, je crois que j'ai enfin terminé de faire toutes les petites décos de Noël. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'appartement du coup. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry. Donc voilà, je suis très contente de ce que ça rend et je voulais faire une petite parenthèse sur cette guirlande calendrier de l'Avent que j'avais fait il y a au moins 3 ans, peut-être 4, je sais plus, je dirais 3 ans quand même. Donc c'est des petites enveloppes en papier sur lesquelles j'avais écrit tous les chiffres du mois jusqu'au 24 décembre. Et pour l'instant là, ils sont vides, mais demain, donc on sera le 30, donc ça bâchera encore dans les temps, vu que les magasins sont rouverts et que j'ai un rendez-vous médical le matin. Je vais en profiter pour faire un petit détour, pour passer prendre juste rapidement quelques petits chocolats. Mais je trouve ça sympa ce système-là, parce que bah, déjà ça évite d'acheter un grand calendrier où il y a plein de plastique, plein de carton, etc. Là c'est juste une petite boîte, donc c'est quand même moins... on fait moins de déchets en faisant ce système-là, parce que je le réutilise chaque année du coup. Et du coup je prends 24 chocolats qui sont tous différents et je les répartis au hasard dans toutes ces petites enveloppes, et comme ça on a notre petit calendrier de l'Avent fait maison où on se fait plaisir tous les jours avec une petite douceur. Donc voilà, je trouve l'idée sympa, c'est un petit côté DIY. En plus, comme vous pouvez choisir aussi les chocolats que vous voulez mettre dans les enveloppes, a priori vous serez pas déçus par les saveurs. Donc voilà, en tout cas là il est 20h passées, j'ai je pense mis bien 2h30 à installer toutes les décos de Noël, et j'ai un programme pour cette semaine là qui est hyper compliqué. Je vais me poser 2 petites minutes pour vous expliquer. Donc en gros, pour vous expliquer, dans mon planning YouTube, mercredi j'ai prévu de sortir une vidéo une semaine dans mon assiette que j'ai filmée il y a à peu près un mois. Sauf que là j'en suis à la phase où je suis en train d'écrire le texte de la voix off qui va venir par-dessus ce montage. Donc j'ai fait un ours, donc une première version du montage vraiment... pas travailler, juste les plans qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. J'ai commencé à écrire du coup ma voix off qui fait pour l'instant 4 pages et demie je crois, donc j'ai encore une ou deux recettes à rédiger, et du coup je pense que je vais arriver aux 5 ou 6 pages facilement. Ça va être une vidéo assez longue pour le coup, mais voilà, du coup j'ai encore donc la fin de la voix off à écrire, je dois l'enregistrer, puis après je dois faire le montage et toute la partie habillage, étalonnage, mixage, etc. et préparer le plot qui est censé être du coup dans 3 jours. Sauf que en ce moment j'ai des projets de graphisme en plus de ma boutique et en plus de ma chaîne YouTube que je dois gérer, donc je travaille en télétravail du coup depuis mon bureau qui est là-haut, et du coup je suis à plein temps sur ce projet. Je commence le matin à 10h et je termine le soir à 18h, 19h, ça dépend des jours. Ça me prend beaucoup de temps et ça me laisse finalement très peu de temps pour mes projets perso. Et comme de temps en temps j'ai des petites commandes pour ma boutique, bah du coup le soir après le boulot je vais me mettre à faire de la couture pour pouvoir envoyer mes commandes le lendemain. D'ailleurs oui, ça se trouve vous débarquez mais vous n'êtes pas au courant, j'ai une petite boutique sur Etsy que j'ai ouvert fin octobre. Je vous mets le lien pareil dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est une boutique éco-responsable, engagée, que j'ai juste fait moi-même voilà, à mon échelle, et
et sur laquelle je vends quelques petits articles en tissu. C'est du coton biologique, je fais hyper attention à la traçabilité des matériaux que j'utilise, et je vends aussi des illustrations que je fais moi-même et que j'imprime sur du papier recyclé avec de l'encre végétale. Voilà pour la présentation de ma petite boutique, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker. En tout cas, donc là, il est l'heure de préparer à manger, donc on va commencer par faire ça d'abord, et puis après on verra comment la soirée se poursuit. Si je peux, j'aimerais bien au moins terminer d'écrire ma voix off et l'enregistrer, ce serait vraiment super, mais on verra bien comment ça se passe. Bref, voilà, et du coup, voilà, on va aller manger. Je viens de rentrer de mon petit rendez-vous que je vous explique un petit peu. Donc c'est un rendez-vous que j'ai pris il y a 6 semaines si je dis pas de bêtises, donc c'était en tout cas avant le reconfinement numéro 2. C'était un rendez-vous pour une épilation au laser. Je savais pas si ça allait être maintenu étant donné qu'on est encore confiné et que ben c'est pas vraiment, enfin ça reste médical mais c'est pas vraiment un soin médical comme on pourrait aller chez le dentiste ou chez le médecin, donc je me demandais si ça allait être maintenu. J'ai reçu un petit message de leur part où ils disaient que le rendez-vous était maintenu et que c'était considéré comme une consultation médicale et qu'il fallait que je coche cette case-là en allant à mon rendez-vous, donc c'est ce que j'ai fait. J'en suis à ma 6e ou 7e séance, je crois. En gros, je fais un forfait maillot, aisselle et demi-jambes. Là, les demi-jambes, on n'y a pas retouché, on va attendre de voir dans 6 semaines comment ça évolue, mais j'ai quasi plus rien, franchement, c'est un bonheur. Par contre, maillot, aisselle, ça persiste toujours un petit peu, mais quand même, il y en a vachement moins que quand avant que je commence ces séances, et c'est quand même vachement plus confortable au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, je choisis de les enlever, et je préfère comme ça. Après, chacun fait bien comme il veut. Si toi, t'es à l'aise avec tes poils, c'est très très bien, et tant mieux, parce que ça fait moins de logistique et moins d'argent dépensé. Mais voilà, moi, je préférais en enlever certains. Voilà pour la parenthèse rendez-vous de ce matin. Là je suis, donc comme je vous ai dit, je suis allée chercher des petits chocolats pour notre calendrier de l'Avent presque homemade, parce que j'ai pas fait les chocolats mais j'ai fait la petite mise en place, donc du coup je pense que je vais les mettre dans les petits sachets ce soir, comme ça ce sera prêt pour demain pour notre premier jour de décembre. Je voulais juste faire un petit point avant de commencer de reprendre mon boulot en intermittence de graphisme, donc, et puis bah on se retrouve plus tard. Jumping Jack, mais c'est pas Jumping Jack ça. Allez, Jumping Jack, ça n'a pas dit. Ah. Non, c'est Jumping Jack, pas Jump Jack. Exactement. Je suis prête à manger mon petit reste de pâte au pesto et ma petite gaufre au brocoli. Hier, après m'être brossé les dents, j'ai pété un câble sur un de mes ongles, donc j'avais fait
posé des faux ongles il y a maintenant un mois et demi, sauf qu'avec le confinement, bah, ça avait fermé et du coup bah, mes ongles ont continué de pousser. Il y en a un qui à un moment, vu que c'était beaucoup plus long que ce que j'ai l'habitude d'avoir, et bah il s'est retourné en ouvrant un tiroir et du coup le faux ongle s'est cassé et l'ongle en dessous aussi. Donc du coup voilà, j'ai une main qui ne ressemble à rien. Du coup j'ai pris un petit rendez-vous samedi matin pour faire retirer tous les faux ongles. J'aimerais bien poser un seul faux ongle sur juste ce doigt là, juste pour avoir une longueur correcte. Je sais pas si ça se fait, mais j'aimerais bien parce que j'ai pas envie qu'elle me les raccourcisse à cette longueur là sur tout le reste de la main. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer samedi. Encore une fois, je sais que ça me rajoute une sortie alors qu'on est encore en confinement, mais en soi c'est comme si j'allais chez le coiffeur et la dépose de faux ongles, faut que ça soit fait par un professionnel, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Je vois que le fait de l'avoir enlevé moi-même sur celui-là, ça a vachement abîmé mon ongle en dessous, donc je préfère le faire faire par une pro. Bref, en tout cas, donc là c'est l'heure de ma petite pause du midi, donc j'ai envie de me relaxer un peu, donc je vais regarder un petit quelque chose sur Netflix, je sais pas encore quoi, pour passer le temps, ou peut-être sur YouTube, et puis bah, je vais manger. Ok, donc je viens de sortir de ma petite douche post-sport et étirement, et je pense que ça se voit de par mon pyjama et mon petit chignon sur la tête. Du coup, comme on est le 1er décembre, je dois m'occuper du tirage au sort pour le concours que j'ai organisé sur l'Instagram de ma boutique Etsy, et je trouvais ça sympa de faire participer les personnes qui me suivent sur ce compte Instagram. Du coup, j'ai attribué un nombre de manière aléatoire à chaque participant du concours, et j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Insta en story de me donner un nombre entre 1 et 19, et du coup la première personne qui commentera va me donner donc un nombre entre 1 et 19, et ce nombre là déterminera du coup le ou la gagnante par rapport au pseudo qui sera associé du coup à ce chiffre de manière aléatoire. Du coup, donc j'ai fait ça il y a 5 petites minutes juste avant ma douche, et je pense que je dois avoir déjà des petites réponses, donc on va aller voir tout ça. Donc la première personne à avoir commenté a commenté le chiffre 2. Du coup, je regarde sur mon petit tableau, le chiffre 2 correspond à Laurie Style. Du coup, maintenant, je vais juste checker si cette personne a bien rempli les conditions du concours. Et elle a bien participé en story, donc toutes les conditions sont remplies. Du coup, je vais pouvoir annoncer la gagnante, je suis trop contente. Et puis, bah, du coup, je vais la contacter en DM pour qu'elle puisse me donner ses coordonnées, que je lui fasse un petit envoi postal. Voilà! Ah, ça coulait ? Pour le dessert, on va prendre, je pense encore, et il nous reste du gâteau au chocolat que j'ai fait, bon, heureusement qu'il en reste, c'était avant-hier. Et du coup avec ça, on va prendre un petit peu de compote de pommes que j'ai fait, c'est hyper simple à faire. Si vous avez jamais essayé de faire de la compote de pommes, c'est vraiment tout bête. Là, il y a vraiment juste des pommes que j'ai laissé cuire à feu moyen dans une grande casserole avec juste un petit peu de cannelle, pas de sucre, et voilà, on laisse mijoter un petit peu. Je crois que j'ai dû laisser mijoter pendant 30 minutes, et puis après je passe au blender, au mixeur plongeant, je pense que ça marche aussi. Et voilà, petite compote de pommes maison hyper bonne, et avec la cannelle c'est vraiment, c'est parfait.